Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais commencer par saluer, comme les autres collègues, et féliciter les acteurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour élaborer ce projet de loi. Le présent projet de loi va dans le sens de l'implication de l'État et des autres personnes publiques dans le processus économique, que j'apprécie et je soutiens fortement. Cette option de l'État du Cameroun de ne pas être un simple spectateur de la bataille économique, mais d'en être plutôt un acteur à part entière. J'avais plusieurs préoccupations, mais certains de mes collègues l'ont déjà relevé. Néanmoins, je vais revenir à l'article 6 et 7. Le contrat de partenariat public-privé contient, à l'instar des contrats de droit public, des clauses qui portent sur les pouvoirs de l'État dans l'exécution de la contrôle de la réalisation du contrat liant la personne publique au partenaire privé. Il me semble cependant, Monsieur le Ministre, qu'il conviendrait de préciser et de densifier davantage les prérogatives des puissances publiques dans le processus contractuel des PPP, afin de mieux sauvegarder les intérêts du Cameroun face à l'énorme puissance financière des entreprises multinationales. Notamment, il faudrait à cet effet créer dans la loi même une disposition forte en vertu de laquelle il peut être procédé par avenant ou faute d'accord par une décision unilatérale de l'autorité à la modification de certains aspects du contrat au fini compte de l'évolution de l'économie. Je vais, pour clôturer, aller à l'article 21, page 13. Le projet de loi en discussion prévoit l'autorité contractante est fondée à prendre des sanctions à l'endroit du co-contractant fautif. Il me semble important de donner une bonne visibilité de ces sanctions éventuelles en indiquant leur nomenclature dans la loi elle. La loi doit nommer les procédés, surtout quand il s'agit des dispositions aussi délicates. Dans le processus contractuel, que les sanctions du contractant de l'État. Cela participe, me semble-t-il, de la sécurité juridique qui est un facteur essentiel de l'environnement de nos affaires. Merci, M. le Président. Sénateur René-Françoise, que je remercie pour les mots félicitations également, et je voudrais également la rassurer que s'agissant des clauses
a inscrit dans le contrat à l'article 6 et 7. Ces clauses-là vont faire l'objet de précisions au moment venu lors de la rédaction contractuelle qui implique les deux parties afin que les précisions nécessaires soient données au-delà du cadre général qui est le projet de loi actuellement sous examen. Bien entendu, pour garantir la meilleure exécution, la bonne exécution, il est préconisé des sanctions qui seront clarifiées par la haute autorité en charge des contrats de partenariat public-privé, ce qui fera l'objet de textes séparés, de textes réglementaires séparés, pour venir éclairer les différents acteurs intéressés par cette alternative en matière de financement. Pour terminer, s'agissant de la sécurité juridique à laquelle vous avez fait allusion, il me semble qu'insister là-dessus n'est pas une option à prendre à la légère. Nous tenons à rassurer dans le cadre donc, de notre environnement des affaires, et ça passe par la transparence. La transparence lors de l'élaboration des contrats, la transparence dans la connaissance des différentes implications en matière de défaillance et la transparence lors de l'exécution des contentieux éventuellement, parce qu'il n'est pas exclu dans la mise en œuvre que cela puisse donner lieu à des contentieux. Mais tout ceci devrait se faire de la manière la plus objective, c'est-à-dire sur la base des textes, la loi, les textes réglementaires, et sur la base, bien entendu, d'une démarche transparente que garantit notre système judiciaire. Et si cela est nécessaire, les acteurs peuvent aller au niveau sous-régional, peuvent aller au niveau continental, peuvent aller au niveau international en matière de règlement de conflit. Voilà tout ce que je pourrais dire, Monsieur le Président du Sénat, à la suite donc, des préoccupations fort légitimes que les sénateurs ont bien voulu porter à notre attention. Nous espérons avoir apporté quelques éléments d'éclairage et comme par le passé, nous restons toujours à votre disposition pour des éclairages additionnels s'il en était besoin.